Seigneur Jésus, toi notre partage et notre coupe, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous donnes ton intelligence et ta justice, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es assis pour toujours à la droite de Dieu et qui intercède sans cesse pour nous, prends pitié de nous. Lui qui n'abandonne jamais quiconque fait de lui son refuge, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Thank you.
conduit notre histoire vers l'unité de ton royaume. Rends-nous accueillants et accueillants pour ta parole, qui ne passe pas, et prêt à reconnaître la venue de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Daniel. En ce temps-là, se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse, comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent, jusqu'à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré. Tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament. Et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude, brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Parole du Seigneur. Désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds par son unique offrande. Il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. Or, quand le pardon est accordé, on offre plus de
sacrifice pour le péché. Parole du Seigneur. D'un grand rêve,
à l'invitation d'un grand rêve, alors que l'on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées. Le thème fondamental de ce texte d'Évangile n'est donc pas la fin du monde comme tel, mais il est question de la présence du Christ qui vient sauver toute l'humanité. Dans cette page d'Évangile, il y a évidemment des mauvaises nouvelles. On nous parle des déserts et des astres terrestres. On nous parle des étoiles qui vont tomber, des puissances célestes qui vont être ébranlées, que le soleil va s'obscurcir. Ouais. Quand Saint-Marc a écrit son Évangile, il s'y connaissait en mauvaises nouvelles. Les premiers chrétiens furent persécutés. Les apôtres Pierre et Paul furent exécutés et aussi de nombreux chrétiens de Rome furent martyrisés. En l'an 70, Jérusalem avait été détruite complètement. Le temple, les Juifs avaient été rasés et les Juifs avaient été dispersés de par le monde. Quand Saint-Marc écrit la page de l'Évangile que je viens de proclamer, cette page du jugement dernier, il fait référence à cette période sombre, mais il garde espérance envers l'avenir. Il veut stimuler les chrétiens et les chrétiennes qui l'écoutent, les chrétiens et les chrétiennes qui doutent de la résurrection du Christ et de sa présence parmi eux. Le texte d'aujourd'hui est actuel. Il fait référence au malheur et aux souffrances de tous les temps. On parle de guerre à la télévision, on parle de tremblements de terre, de feux de forêt, d'inondations, de scandales de toutes sortes, hein? Des épidémies, des malheurs, ils arrivent et ils passent. La COVID est venue et elle est passée, même si on a encore des soubresauts de la COVID. Alors, dans toutes les périodes de l'histoire, comme dans toutes les familles et dans toutes les vies, il y a une saison d'automne, suivie de la froidure et du gel hivernal. C'est ce que nous vivons trop souvent. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, dit Jésus. Hier, j'étais avec vous, nous dit Jésus, je le suis aujourd'hui et je serai encore avec vous demain. Et encore avec vous demain. On n'a vraiment rien compris de la pensée de Jésus quand on se fait prophète de malheur et qu'on vit dans la peur. Bon, on voit là, des gens qui vivent un christianisme de peur. Lorsque tout arrivera, sachez que le Seigneur est proche, qu'il est à votre porte. C'est ce que Jésus nous dit dans l'Évangile. Le Seigneur vient, ça va arriver, c'est ça. Sachez que le Seigneur est proche, il est à votre porte, il est à notre porte. Je pense que c'est un message d'espérance de notre Évangile d'aujourd'hui. Pour que le règne du Christ arrive, il y a bien sûr des exigences. Il importe d'adopter un comportement fidèle à la voie tracée par Jésus lui-même, la voie de l'amour. Lorsque Jésus est venu sur son baptême, notre monde, hein, il nous a parlé d'amour, il a vécu l'amour jusqu'au bout, hein, jusqu'à la mort sur la croix. Il nous a aimés jusque-là, mais aujourd'hui, il est ressuscité, il est vivant au cœur de nos existences, dans nos joies comme dans nos peines, dans les joies et les peines de notre monde. Le Seigneur, il est présent. C'est ce message d'espérance que nous, chrétiens et chrétiennes, hein, nous avons apporté aux autres qui sont autour de nous, à toutes les personnes qui nous côtoient au jour le jour. La vie de Dieu, elle est présente encore aujourd'hui, en nous et autour de nous. Amen.
dans la prière en toute confiance, nous lui adressons. Et après chaque intention, nous pourrons répondre. Dieu de la vie, accueille notre prière. Pour les endroits du monde qui sont plongés dans la détresse de la guerre, du désordre social ou de la précarité alimentaire, prions le Seigneur. Dieu de la vie, accueille notre prière. Pour ceux et celles qui continuent à se tenir devant Dieu et à assurer chaque jour le service liturgique, prions le Seigneur. Dieu de la vie, accueille notre prière. Pour la transmission de génération en génération de l'intelligence de la foi, ainsi que des valeurs et des gestes de justice, prions le Seigneur. Dieu de la vie, accueille notre prière. Pour la fécondité des enseignements et des témoignages rendus aux paroles de Jésus, qui demeurent pour toujours, prions le Seigneur. Dieu de la vie, accueille notre prière. Pour nos communautés chrétiennes, appelées à vivre et à diffuser une espérance enracinée dans l'Évangile, prions le Seigneur. Dieu de la vie, accueille notre prière. Et nous pouvons confier au Seigneur dans le secret de nos cœurs nos intentions personnelles. Dieu notre Père, en ton Fils Jésus, tu rassembles des quatre coins du monde tes filles et tes fils, afin qu'ils prennent part à son intercession et à son offrande unique. Écoute avec bienveillance les demandes que nous te présentons par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Thank you.
t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce à toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous que tu aimais en lui, et donc que nous avions perdu par la désobéissance du péché, nous l'y retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints et saintes, nous te louons Seigneur et nous exultons de joie en chantant. De même, la fin de sa repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'Alliance, nouvelle et éternelle, sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En union avec notre pape François, notre évêque Denis, tous les
Israël, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Te prions spécialement aujourd'hui, Seigneur, pour Marie-France et Pierre Garneau, pour Roch Magnon, pour les parents des frères de Théo et Marcel, pour Marcel Wallet. Alors accueille tous nos défunts, Seigneur, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, la bienheureuse Élisabeth Turgeon, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au nom des anges, fais que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta gloire et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi et le Père tout puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans la foi, dans la confiance, dans l'espérance, reprenons notre prière de Marie, celle que Jésus nous a commandée. Notre Père, Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre corps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus, un jour tu étais mes apôtres et tu nous redis encore aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos faiblesses et la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis ton Église vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Donc que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Que la paix du Seigneur soit dans chacun de vos cœurs, on puisse échanger un signe de cette paix.
Et avec que Dieu tout-puissant bénisse et garde le Père.